C'est de moi qui t'ai. Thank you.
Rien du tout. Bon, allez, on arrête les trucs. On arrête tout. Allez, on les éteint. Bon, Gisèle, tu regardes ça, s'il te plaît. Gisèle? Gisèle? Bien. Marc. Tu regardes Gisèle, parce qu'alors moi, ce genre de truc... Les voilà, couchés à même le sol. Ça me rappelle quand on se souvenait de ceux qui étaient tombés. On était tous là, sur la place. C'était le mois de novembre, on avait les pieds dans l'eau. Nous, c'était l'harmonie. Il y avait les sociétés patriotiques, les enfants des écoles, le club de gymnastique. Et on prenait un temps en silence pour se souvenir. (Tousse)
Thank you.
Le cirque, mesdames et messieurs, le cirque, c'est la nostalgie du paradis.
Thank you.
Merci. Il va pas du tout celui-là, non, regarde, c'est pas possible là.
Nico ouais. Thank you.
Quand j'étais jeune, j'allais à la plage. Avec un copain, on cherchait des méduses sur la digue. Moi, j'aime bien les méduses. Les méduses, ça n'a pas de corps. Mon copain, lui, jouait du corps. Il faisait des pieds et des mains pour jouer du corps. Seulement, le corps, c'est lourd. Il avait du mal avec la levée du corps. Oh, puis un jour, en soufflant dans son corps, il a cassé sa pipe. Il a rendu l'âme. On a enterré le corps sans tambour ni trompette. Mm-hmm.
Quand j'étais jeune, j'avais une copine avec un corps vraiment fou. Pas un poil de graisse. Elle vivait en Grèce à Corfou. Oh, son décolleté me faisait tourner la tête. Et plus elle dénudait son cou, plus j'avais le torticolis. Alors moi, comme j'ai la tête sur les épaules, je lui ai offert des fleurs. Ah oui, mais seulement elle avait le rhume des foins. Elle a respiré les fleurs, ça l'a fait éternuer, elle s'est tordu le cou. Bah, sur le coup, ça m'a fait un choc. Une jolie fille avec un cou tordu, c'est pas chic. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bien. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer par un grand classique. Allez, saute. Et hop là, oh. Là, gentil, gentil. Qu'est-ce qu'il y a, ma cocotte? Tu ne veux pas travailler aujourd'hui? C'est la dure loi du cirque. Elle va recommencer. Attention, tu es prête? Allez, saute! Et hop là! Oh! Oui! Bien! Voilà pour toi, mon petit. Voilà. Voilà. Attention aux pépins. À présent, mesdames et messieurs, la toute belle va exécuter devant... Elle n'a rien laissé. Elle va exécuter pour la première fois à Besançon un numéro, un exercice... Ah, 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 ah. Voilà, 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 vo
Thank you.
Mesdames, mesdames, on s'excuse, il y a une panne d'électricité, alors forcément on est dans le noir, quoi. Et puis comme il fait noir, ben, il fait nuit. Mais enfin, rassurez-vous, parce que messieurs les techniciens en coulisses s'occupent à faire le jour sur le mystère de la nuit. Alors en attendant, mesdames, mesdames, eh bien, je vous invite à vous détendre, voire même à vous endormir, puisque depuis la nuit des temps, dormir la nuit des temps. Oh, le noir, ça me rappelle... Ça me rappelle ça, pas. Ah bon? Ah oui, c'est vrai que ma femme a horreur du noir. Ah bah chez nous, le soir, dès que j'éteins la lumière, elle chope des ampoules aux pieds. Et pendant la nuit, elle broie du noir. Elle broie du noir. Ça fait des miettes dans le lit. Bah du coup, moi, je n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit, alors la nuit reste éveillée. Ça alors, mesdames, mesdames, vous avez de la chance parce que monsieur Piotr, ici même présent, en attendant la lumière, va brillamment vous interpréter un... Dis, tu sens jouer de ton truc, là? Je vais interpréter une composition. Oh là là, ça, mesdames, mesdames, monsieur Piotr va vous interpréter une composition de sa composition. Thank you.
Thank you.